Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog qui commence par moi qui suis stressée de malade parce que je vais aller dans genre 20 minutes à un entretien d'embauche. J'arrive pas à respirer, désolée. Oh, je vais à un entretien d'embauche pour la bibliothèque, c'est pour ça que je suis si stressée. C'est parce que c'est pas n'importe quel entretien d'embauche, c'est un entretien d'embauche à la bibliothèque. Genre c'est vraiment mon dream job. Genre si j'ai pas ça vraiment, c'est ouh, c'est vraiment la grosse catastrophe de l'année. Oh my god, j'espère, mais j'ai trop trop peur. Franchement, je donne vraiment de mon mieux. Ma mère, elle était trop mimi, elle m'a dit un truc, t'inquiète pas, sois toi-même, c'est très bien. Elle dit t'inquiète pas, sois toi-même, t'es génial, donc c'est le mieux que tu puisses faire. Voilà, donc je vais essayer d'être pas bizarre, je vais essayer de pas trop bégayer, parce que c'est compliqué. Souvent quand je suis vraiment stressée, j'arrive pas à trouver mes mots, genre mon cerveau devient complètement vide, et je sais pas trouver mes mots, et genre, je trouve pas mes mots, je me plante, genre mon cerveau il fait erreur 404, et il se passe plus rien dans mon cerveau, et du coup je sais pas quoi dire. Mais j'espère que ça se passera pas comme ça. Ok, mais... Du coup, ouais, voilà, entretien à la bibliothèque, c'est la panique complète, j'ai trop, trop peur. J'ai trop peur. En tout cas, au téléphone, la madame, elle était très, très, très cool avec moi, très, très gentille. Donc, j'espère que... Je pense que c'est avec la même que je vais faire l'entretien. Donc, j'espère que ça va aussi bien se passer que l'appel téléphonique. Elle avait l'air hyper souriante. Bon, c'est au téléphone, donc je la voyais pas, évidemment, mais il y avait un sourire dans sa voix, quoi. En vrai, les entretiens, par exemple, quand je suis allée à l'entretien pour Primark, j'avais très très peur parce que c'était mon premier entretien d'embauche. Ensuite, je suis allée, j'ai fait quoi comme entretien? J'ai fait un entretien pour un truc de cours particulier, c'était pas vraiment un entretien, en fait, c'était une session de recrutement, donc l'entretien, il a duré 5 minutes. Et j'étais pas trop stressée, en vrai. Mais là, en fait, je suis très contente que ce soit pas mon premier entretien parce qu'il y a ce stress-là en moins. Mais par contre, c'est vraiment mon job de rêve, quoi. Enfin, c'est pas vraiment mon job de rêve, mais c'est un pas vers mon job de rêve, puisque c'est un poste de vacataire, donc c'est pas non plus idéal, évidemment, mais c'est une entrée dans le game, on va dire, donc c'est déjà ça. J'espère que tout va bien se passer, je vais faire comme maman m'a dit, je vais essayer d'être moi-même, et j'espère que ça va être ok. Ça va aller, je suis terrifiée. Bon, allez, on y va, on y go, tout va bien se passer. On croise les doigts. Oh my god, bro, ils viennent de me rappeler, je suis prise.
Ouais, tu veux qu'on se mette dehors ou dedans? Comme tu veux. À chaque fois qu'on se voit, qu'est-ce qu'elle mange? Ouais, c'est vrai ça. Hi. Alors moi par contre je fais un gloubi-boulga, c'est-à-dire que je mélangeais et j'arrive plus à retrouver, j'avais une technique de mangeage de du liégeois, de la mousse liégeoise. Petite, t'es trop contente parce que tu lâches de ta cul. J'ai une passion sans nom pour ces choses. Extasie sur un tapis. Je pense que c'est un bon. Je pense que déjà, on est sur une bourse et la boîte. Je veux pas regarder. Attends, je vais regarder, je te la décris. Oh c'est la version que tu voulais. Il est incroyable, il est trop beau. Genre, tu l'aimais, fasse retourner du coup, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. Ah, il y a une pochette à inclusion. Toi, ta baïasse, c'est Daikon, c'est ça? Ouais. Oh regarde, c'est trop mimi ça. Attends, mais parce que je te unbox les trucs à ta place, je vais juste prendre les photos, regarde. Mais je crois que genre... Oh si, je crois que j'en avais jamais dessus. Ah, c'est Tsui, c'est ma bias, je sais pas comment on le prononcer bien. Bias Raker. Ouais. Ah, attention. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est trop belle, vraiment. Oh, je suis trop contente. Je fais n'importe quoi toujours avec mes PC. Ce comeback là, j'ai fait n'importe quoi avec ma collection. Genre, bah, j'ai vu une fois comme ça, t'avais dit que t'avais reçu mes PC. Non, mais oui, non, mais j'en ai en triple et tout, genre vraiment n'importe quoi. Ah, là je crois que je l'avais pas justement. J'avais oublié que j'avais celle-là. Oui. Thank you.
conduire. Non. Coucou. On est vendredi soir et je vais finir le vlog ici. Cette semaine, ça n'a pas été au top de la forme. J'étais pas toujours très très en forme mentalement. Et j'ai beaucoup hésité. Enfin, je me disais, est-ce que je veux vraiment mettre ce vlog en ligne? Parce que genre, des fois, j'ai vraiment pas d'énergie, je suis pas du tout hype et tout. Et je me suis dit, mais en vrai, ça peut apporter beaucoup de positif de montrer du négatif. Genre, c'est un peu contradictoire, mais je pense que ça peut montrer à des gens que, bah genre, c'est ok de pas être bien. Genre, enfin, t'as le droit de pas être bien. Même si ça dure plusieurs jours, même si c'est très récurrent, il y a aucune raison pour laquelle tu n'aurais pas le droit de pas aller bien. Genre, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Donc, il y a aucune raison de t'en vouloir. Il y a aucune raison de te flageller pour le fait de pas aller bien, parce que c'est pas toi qui gères ce qui se passe là-dedans. Certains trucs, oui. Mais c'est pas toi qui gères ce que tu ressens, c'est pas toi qui gères ton moral. Donc certes, il y a des trucs que tu peux faire pour aller mieux, il y a des trucs que tu peux faire pour pas que ça aille pire, mais ultimement, c'est pas toi qui gères comment ça va. Donc il y a vraiment pas de sens à se blâmer pour ça. Et je me dis, des fois, si on voit des personnes qu'on suit aller pas bien, c'est rassurant. Je pense qu'il peut y avoir du positif à montrer qu'on n'est pas bien, genre à se montrer un peu vulnérable. Je pense qu'il y a du positif à partager les bas autant que les hauts. Enfin, pas autant, parce que bon, je vais pas non plus faire... Bon, je sais que des fois, je parle beaucoup à la caméra, mais faut peut-être pas exagérer non plus. Mais vraiment, je pense que c'est cool de pouvoir montrer aussi que des fois, ça va pas. Parce que j'aimerais vraiment que les gens réalisent que ressentir des choses et se sentir d'une certaine façon, c'est pas quelque chose qu'on peut gérer et c'est pas quelque chose qu'on peut commander. Donc il y a vraiment, ça n'a aucun sens de se blâmer pour ça, ça n'a aucun sens d'être en colère contre soi-même ou de s'en vouloir, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut gérer. Et en ayant plus de compassion, ça rend les choses un peu plus faciles. Et quand je parle de compassion envers soi-même, pas envers les autres, même si la compassion envers les autres c'est très important aussi. Il y a aussi besoin de compassion envers soi-même. Et je dis pas que être ok avec ses sentiments négatifs, ça va faire aller mieux, parce que c'est pas forcément le cas. Mais être ok avec ses sentiments négatifs, ça les rend plus faciles à accepter, ça les rend plus faciles à gérer. Alors si jamais vous vous sentez pas bien aujourd'hui, c'est ok, vous n'êtes pas obligé d'être à 100% tout le temps. Même si tout va bien dans votre vie, c'est ok de pas aller bien. Tout va bien dans ma vie. Genre, il y a plein de trucs cool qui se passent. Et pourtant, ça va pas. C'est pas une question nécessairement de ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut être aussi une question de ce qui se passe là-dedans. Et là-dedans, il se passe beaucoup de choses qu'on ne comprend pas forcément. Alors, au lieu de genre être en colère contre vous-même et vous en vouloir, etc., essayez plutôt d'identifier les trucs qui vous font vous sentir mieux. Même si c'est qu'un tout petit peu, c'est déjà ça. Parce que genre, vous méritez d'aller mieux et vous méritez pas d'être pas bien. En relâchant un peu la pression et en essayant d'identifier ces petits trucs qui vous font aller mieux, c'est un pas vers que ce soit un peu plus facile. Donc voilà, mais j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Je sais qu'il y a des gens dans ma communauté qui se sentent pas très bien. I love you. Je suis de tout cœur avec vous, vraiment, je vous aime trop. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!